Re, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être euh, d'être venu jusqu'ici malgré les, les contraintes diverses et variées. Euh, je suis Mathieu Jubré, je suis en charge du développement de l'entreprise sociale Microdon et je suis ravi de vous accueillir pour cette pour cette conférence euh, dont le, le titre volontairement un petit peu espiègle pose en fait la question de l'engagement des collaborateurs, l'engagement solidaire des collaborateurs en entre entreprise et euh, de, de la méthode ou de, de la meilleure méthode pour essayer de maximiser cet engagement. Question qu'on se pose régulièrement chez Microdon. Quelques mots peut-être d'abord sur Microdon. Euh, donc, comme je vous le disais, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale, ESUS, pour les, pour les initiés. Euh, et on existe depuis un petit peu plus de 10 ans, euh, avec pour mission d'aider les entreprises à mobiliser leurs collaborateurs au service d'associations d'intérêt général, en France et un petit peu à l'étranger également. Euh, on le fait euh, de trois manières essentiellement, au travers d'abord d'un outil qu'on développe, qu'on appelle la plateforme de l'engagement solidaire, euh, et qui est un outil qui euh, aide les, les personnes en charge de l'engagement au sein des entreprises, qu'ils soient issus de l'équipe RSE, développement durable, fondation, euh, engagement même parfois, quand il y a une équipe euh, déjà qui, qui s'occupe précisément de ce sujet, qui les aide à présenter, animer piloter, valoriser tous les dispositifs d'engagement qu'ils proposent à leurs collaborateurs. Donc ça va de l'arrondi solidaire pour lequel on est un petit peu connu historiquement, jusqu'au mécénat de compétences, au congé de solidarité, aux journées solidaires, aux appels à projets qui peuvent être menés aussi en interne. Ça, c'est la première chose. On aide aussi ces entreprises au travers d'un accompagnement pour les aider à concevoir ces dispositifs, à les faire fonctionner ensemble. Euh, en fonction notamment de, bah, des caractéristiques de leur population salariée, euh, de, des causes pour lesquelles ils souhaitent s'engager, des moyens qu'ils souhaitent consacrer aussi à ces sujets. Et puis enfin, on les aide en accompagnant, en coachant parfois un peu leurs collaborateurs pour que chacun puisse trouver sa place dans ces dispositifs, euh, puisse, euh, en fonction de sa sensibilité, de sa disponibilité aussi, de sa maturité sur ces sujets, et puis des, des, des talents qui souhaitent exprimer au travers de cet engagement puissent trouver euh, les opportunités qui lui correspondent. On fait ça depuis euh, donc un petit peu plus de dix ans. On le fait pour euh, aux alentours de 600 entreprises en France qui emploient près de 500 000 salariés. Et régulièrement, on est confronté un petit peu à ce, au dilemme qu'on a souhaité euh, illustrer dans ce titre euh, pour maximiser l'engagement de ses collaborateurs. Est-ce qu'il vaut mieux opter pour euh, un domaine d'action très précis, très bien défini, qui résonne souvent avec la mission de l'entreprise, euh, et au, sur lequel on va pouvoir faire suffisamment de, de pédagogie pour le rendre fédérateur et aider les collaborateurs à s'identifier à cette mission de l'entreprise, ou est-ce qu'au contraire, il faut ouvrir au maximum le cadre d'engagement, ne pas chercher à prédéfinir les sujets sur lesquels on va proposer aux collaborateurs de s'engager, mais au contraire les laisser trouver ce qui résonne avec la mission que eux se donnent, entre guillemets. Dans, dans, dans ce monde, dans cette société, euh, pour, euh, pour trouver des, du sens et des, et des raisons de, de s'engager. Voilà la question qu'on a souhaité poser et à laquelle on va tâcher de répondre. Alors heureusement, je ne suis pas seul pour tâcher d'y répondre. J'ai le grand plaisir d'accueillir euh, Timothée Kellard, qui est euh, fondateur, cofondateur d'EcoDev, agence euh, mondialement connue sur le, le Conseil en développement durable. Euh, qui, aura le, 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 qui nous fera l'honneur de commenter euh, le, le dernier, la dernière édition de l'Observatoire de la RSE, si je ne dis pas de bêtises, qui est euh, réalisée ah. chaque année depuis quelques années par, par Ecodev. Et puis Bérénice Broutin, déléguée générale de la Fondation d'entreprise Bouygues Télécom, j'espère que je ne dis pas de bêtises là aussi, voilà, j'ai dit tous les mots, super, euh, qui, bah, elle, dans son quotidien, a forcément s'est confrontée à ces sujets et à ces questionnements et y a trouvé euh, des réponses dont elle nous parlera. Euh, pour essayer de, 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 de mettre en perspective un petit peu ce, ce sujet et l'illustrer par, par du concret du terrain. Voilà, j'ajoute juste une chose. Euh, pour des raisons évidentes, on ne peut pas faire passer de micro dans la salle. Du coup, on vous a mis une petite adresse en bas de chaque slide. Euh, vous la voyez apparaître en blanc sli.do. -S Il vous suffit de taper ça dans le navigateur de votre, de votre mobile et vous allez arriver sur une page qui vous demande un code. Vous entrez Pro Durable et vous atterrez dans un endroit où vous pouvez. Posez vos questions, donc n'hésitez pas à le faire tout au long de la conférence. Et on se gardera, j'espère, 10-15 minutes à la fin de la conférence pour y répondre et pour en, et pour en, en échanger ensemble. Voilà, j'en dis pas plus, Timothée, c'est à toi. Bah merci, bonjour à tous. Alors je suis un peu frustré parce que je, je sais que tu es très souriant. <laughs> et, et du coup, on n'arrive pas à se voir. Euh, bon, bref, blague à part, euh, donc je suis Timothée Keller, cofondateur d'EcoDev. EcoDev, euh, bah, c'est une société qui accompagne les, les employeurs depuis plus de 10 ans sur leur stratégie RSE. Et il se trouve qu'effectivement, au départ, notre volonté, c'était d'aider le collaborateur lambda à euh, matérialiser et agir sur les, les sujets de développement durable. Donc, on est parti vraiment d'en bas, des démarches très opérationnelles. Et après quelques années, on a bien euh, senti, du coup, euh, un certain nombre de limites à ces réflexions et on a lancé depuis 2000, 2015 un observatoire qui a pour objectif de bien euh, identifier les attentes des collaborateurs vis-à-vis -vis de leurs employés sur ces sujets d'implication de, des RSE ou, ou développement durable de manière générale. Il se trouve que du coup, alors oui, pour Ecodev, on a défini depuis peu une autre raison d'être, euh, dont l'objectif est donc de réveiller ou éveiller les organisations euh, pour stimuler euh, l'engagement et ou provoquer le changement. De tout un programme. Mmh. Tu peux y aller, du coup, on va, on va dérouler un certain partie. nombre de chiffres. Euh, donc, voilà, donc dans, cette, dans cette étude, déjà, la, la première chose qu'il faut peut-être constater, c'est qu'entre il y a quelques années et aujourd'hui, les collaborateurs savent de plus en plus définir ce qu'on qu appelle une politique RSE. En 2017, on avait à peu près un tiers des collaborateurs qui étaient capables de le faire, avec un vocabulaire, on va dire, en phase avec la, la réelle définition. Aujourd'hui, on est à peu près à 50%. Donc, on sait qu'aujourd'hui, un collaborateur dans une entreprise française, c'est à peu près euh, bien définir ces sujets de RSE et comprend finalement euh, la dynamique dans laquelle l'employeur veut euh, euh, on va dire amorcer euh, des actions ou toute une démarche opérationnelle. Donc après euh, on avait voulu donc, ressortir quelques chiffres sur euh, à peu près 70% des, des salariés sont volontaires. alors ce chiffre n'a pas trop changé finalement depuis les années on voit que, que les collaborateurs veulent tous s'impliquer. Euh, ça va jusqu'à, en fonction des, des angles des questions, jusqu'à 86 ou 90 quasiment des collaborateurs qui attendent, en tout cas de leur employeur, des euh, définitions assez claires sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire et avec qui je peux le faire. Donc ça, c'est un point qui est important, euh, qui, a, qui a explosé, bien évidemment. Et puis, on a des questions annexes qui sont sur les enjeux de développement durable de manière sociétale, on va dire, ou de, dans notre quotidien de citoyen également. Et là, on est à, à des majorités croisantes. Hein. Plus de 9 personnes sur 10, effectivement, ont bien compris aujourd'hui, ont bien envie de changer un certain nombre de points dans leur quotidien pour euh, respecter un peu plus cet écosystème qui nous entoure. Donc voilà. Euh, deuxième point, à euh, peu près un, un salarié sur deux. Euh, pense que du coup la RSE va donner du sens et où va permettre finalement de retrouver cette quête de sens qu'on a euh, pour euh, la plupart. Euh, donc ce chiffre est à peu près constant. J ai, j ai pas, on n'a pas constaté de fortes évolutions. Euh, par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a sur ces, sur ces populations les trois quarts, 74%, attendent de la direction d'être euh, impliquée, engagée et d'avoir une démarche qui clarifie euh, du coup ces, ces thématiques. Donc, en fait, on voit bien aujourd'hui que si la direction, en tout cas, euh, ne prend pas la parole, on a une réelle euh, difficulté à embarquer un certain nombre de, de collaborateurs. Donc, ça, c'est un point important qui répond partiellement à la, à la question qu'on se pose aujourd'hui. Euh, mais après, il y a les modalités. Et puis, 96% des salariés déclarent bon, s'intéresser davantage. Je suis désolé, mais comme je ne connais pas les chiffres tout par cœur. Euh, <laughs> Donc là, là, on le voit, bah c'est le point de tout à l'heure, c'est que clairement, au-delà des de, de attentes, ils veulent effectivement se penser. On peut passer peut-être au point suivant, parce qu'on va, on va essayer de débattre un peu au-delà des chiffres. Euh, de l'autre côté, on voit que les trois quarts, ou en tout cas 71%, ne sont pas forcément extrêmement euh, on va dire informés, ou, ou estiment en tout cas qu'il est euh, nécessaire d'avoir une clarification sur un certain nombre de points. Euh, et puis je vais prendre un autre chiffre, c'est-à-dire que les formations aussi associées à ces sujets sont, sont très manquantes, ou on va dire... Euh, Très attendu en fonction de l'angle dans laquelle on va, on va aborder le sujet. Et, euh, et sur ce point, il y a à peu près un tiers qui ont vraiment de la défiance, qui ont vraiment de la suspicion et où euh, un vrai doute sur la capacité de leur employeur à les embarquer sur des nouveaux modèles ou sur des, sur des activités qui vont amener à des nouveaux services. Euh, puisque du coup, il y a effectivement la prise de conscience, la volonté d'agir et après, est-ce que ce qu'on fait va être suffisant euh, au regard de, no de nos enjeux Donc là, euh, ça fait assez mal parce qu'un tiers euh, qui remettent en cause complètement euh, l'approche marketing et où l'approche, euh, c'est quand même euh, important. Et puis, euh, oui, peut-être que quasiment 9 euh, sur 10 ne sont pas objectivés. Donc, en fait, là, il y a un vrai sujet aussi de gouvernance et euh, c'est très bien de vouloir avoir des dirigeants qui annoncent. C'est très bien de former ou euh, de lancer, euh, on va dire, un certain nombre de points. Par contre, si ce n'est pas objectivé sur des fiches de salaire, par exemple, sur des rémunérations ou dans les indicateurs, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment rédhibitoire de ne pas bien faire, on va dire, l'exercice et RSE de manière générale. Donc il y a un vrai aussi point sur ce sujet. Dimoté, j'ai l'impression que dans les chiffres que tu donnes, il y a une forme de paradoxe, c'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que les collaborateurs, ils sont à la fois très partants pour être partie prenante, pour agir. Pour euh, avoir leur mot à dire, et à la fois ils attendent énormément aussi du, du vertical, de la direction. Ils ont besoin d'un cap, quoi. Alors c'est un peu le, la contradiction de notre de, de, <laughs> de nos sociétés de manière générale, vais dire en tout cas occidentale, où on a une, une vision très pyramidale, c'est-à-dire qu'on attend effectivement euh, du pouvoir décisionnaire d'être euh, d'être assez clair sur les faits et les actions à déployer. Mais d'un autre côté, on est on reste français. Du coup, on a aussi cette volonté de vouloir euh, le faire nous-mêmes et donc du coup euh, de, de ne pas forcément écouter euh, tout ce qu'on nous dit donc il y, y a ces deux niveaux après ce qui est certain effectivement c'est que euh, les attentes sont fortes et à la fois euh, des attentes opérationnelles mais aussi à des attentes de vision donc on a euh, ce côté euh, je ne sais pas si vous avez travaillé sur ces sujets de vision mission mais de définition de raison d'être mais là on voit bien qu'il y a un alignement nécessaire euh, nécessaire et en tout cas attendu de la part des collaborateurs après les collaborateurs sont en même temps extrêmement euh, auto centrés euh, j'irais même dire jusqu'à égoïsme, et ça c'est un peu l'individualisme généralisé de notre société. Et donc du coup, ils, ils ont des attentes, mais si ça a un intérêt et un trait pour leur quotidien. Quoi. Ce n'est pas que philanthropique même de la part des collaborateurs. Donc ça c'est un point important, parce qu'en fait, on peut très bien définir la plus belle raison d'être et avoir un dirigeant qui est extrêmement impliqué et, et clarifier les actions qu'on peut <laughs> déployer. Euh, on voit aujourd'hui que si ces actions n'ont pas non plus un intérêt euh, direct, euh, on, a, on a du mal à embarquer la plupart des collaborateurs. Et peut-être pour finir, puisque je crois qu'il en reste un. Oui, c'est celui que je viens de t'afficher. Ah, euh... Et notamment, je pense, le, le premier chiffre que tu évoquais tout à l'heure oh, sur alors, la crédibilité. Là. 33%, donc j'ai un peu anticipé. Euh, donc la direction générale, <laughs> et puis un sur deux euh, souhaite euh, finalement s'impliquer plus. On, on les a déjà balayés dans les faits. Et peut-être pour compléter euh, sur ce point, et après j'aurai fini. Euh, on voit aussi qu'il y a une attente assez forte de formation et de compétences et de niveau de, de redescendre de ces sujets auprès de, aussi de leurs managers. C'est-à-dire que quand on pose la question des, aux collaborateurs de savoir qui peut vous aider sur ces sujets et comment, ce qui ressort, et donc dans les deux tops, hein, euh, c'est à la fois d'être plus compétent sur le sujet et en parallèle euh, d'avoir un manager N1, N2 qui va euh, s'occuper de ces sujets directement. C'est-à-dire qu'on on ne veut pas, euh, quand on traduit ces chiffres, on ne veut pas du hors-sol. Euh, en, au niveau opérationnel, j'entends bien, et on ne veut pas non plus euh, le faire sans avoir les outils pédagogiques pour comprendre justement euh, pourquoi on le fait. Et là, il y a, un, y a 65%, si je reprends les chiffres, euh, qui, qui attendent effectivement des formations. Et les formations qu'on voit aujourd'hui, c'est des formations d'une demi-journée, une journée, deux jours pour les, pour les plus sympas. Donc on reste quand même sur des formations extrêmement light au regard des enjeux. Par contre, ce chiffre a descendu. On était à 90% il y a quelques années, et du coup, on voit aujourd'hui que plus le travail de formation se fait, moins il y a des attentes quand même. Mais ça reste encore la majorité. Voilà, peut-être pour les. Je Revenir juste sur un de tes chiffres de la slide précédente. Donc je suis revenu dessus sur le. Je trouve que le 84% il est assez intéressant. 84% des répondants qui ne sont pas objectivés sur la RSE et qui du coup, j'imagine, dans l'étude s'en étonnent ou voilà pose cette question là j'ai l'impression que ça prêche pour euh, une fusion ou euh, une cohérence un peu plus forte entre ce que fait l'entreprise et puis ce qu'elle peut cherche à faire ce qu'elle fait dans son, dans son business dans, ses, dans son affaire du quotidien et puis euh, ce qu'elle cherche à faire en matière de RSE quoi c'est-à-dire euh, arrêter de, de me pousser à la schizophrénie avec d'un côté mon métier où je me pré je me préoccupe pas de RSE puis de l'autre les, les actions où il faudrait que je, je, je m'engage on a l'impression que là il faudrait que tout soit dans la même Feuille de route pour les salariés. Bah, Est-ce que a... c'est quelque chose que tu ressens ça Oui, il y, y a un chiffre qui est assez, assez violent finalement. C'est euh, à peu près 6 à 8% estiment qu'effectivement les employeurs ont réussi à mettre dans des lignes de business ces sujets de RSE. c'est-à-dire ont réussi à intégrer vraiment de manière durable ces thématiques. Donc en fait ce que ça veut dire, c'est qu'ils nous disent qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre, euh, on peut faire plein de choses et on avance, mais on a euh, moins de 10% qui estiment que finalement la démarche opérationnelle a changé quelque chose. Euh, dans le quotidien ouais. et on est encore sur du business euh, euh, dual et, et du coup il y a encore ce manque euh, à dire de l'intégrer réellement dans, dans des ré révolutions quelque part euh, opérationnelles. Ça répond moyennement à ta question. Oui. Mais... Non, non, mais, mais c'est <laughs> un peu ce qu'on pressent. Pour compléter, euh, effectivement il y a très peu d'entreprises de, de ce que je constate qui ont intégré euh, la RSE dans les objectifs. J'ai vu quelques expérimentations chez Total par exemple. Euh, qui a créé une direction de l'engagement et euh, en même temps de, de, de cette création a décidé d'objectiver euh, les collaborateurs sur euh, les objectifs RSE euh, et d'intégrer ces objectifs dans euh, l'attribution la, de la participation d'entreprise. Donc là, ça a été vraiment, je ne sais pas si c'est mis en place aujourd'hui, mais en tout cas, c'était l'objectif au moment de la création de la direction de l'engagement. donc un un mouvement quand même assez fort. Euh, et idem à la BNP, donc pareil, une des entreprises qui a mis en place une direction de l'engagement a fait la même chose, mais avec euh, vraiment le top management où l'attribution de bonus était liée à, à des objectifs euh, RSE. Donc ça commence à, à émerger, ouais. mais je pense que c'est vraiment très euh, minoritaire ouais. pour le moment. Oui, oui non, on le voit, il y a, il y a beaucoup d'entreprises de, 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 d'ailleurs petites ou moyennes qui, ont, va, qui vont avoir une ligne, on va dire, associée à ces indicateurs, mais qui reste quand même en termes de montants extrêmement symboliques au regard des montants euh, rémunération fixe. Là, du coup, il ne faut pas se voler à la face, c'est-à-dire que oui, ils commencent à avoir un certain nombre de <laughs> sujets, mais, mais euh, ce n'est pas les 3 de variables ou les 10 pour les meilleurs qui vont vraiment euh, euh, révolutionner euh, la rémunération de ces dirigeants. Mais. En tout cas, s'il y a quelqu'un de BNP Total dans la salle qui veut nous raconter un petit peu ce qui est fait sur le, sur le sujet, il est il ou elle est la bienvenue, bien sûr. Euh, du coup, on a fait le tour des chiffres, me oui. semble-t-il. Donc, je vous propose maintenant euh, d'échanger un petit peu avec euh, avec toi, Bérénice, et peut-être en, en introduction, est ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, quelle est euh, la mission justement de la fondation d'entreprise Bouygues Telecom. Est-ce que vous y faites? Bien sûr, donc rebonjour à tous, Bérénice Broutin, je suis déléguée générale de la Fondation Bouygues Télécom. Euh, L'objectif de la fondation, vraiment en quelques mots, c'est de créer du lien et d'améliorer le quotidien, notamment grâce aux outils numériques. Donc on va en reparler, je pense, pendant cette conférence, mais c'est un, une mission qui est très très large euh, oui. et qui permet d'engager justement beaucoup de, de collaborateurs. Euh, concrètement, donc la mission d'une fondation, normalement, avant tout, c'est de soutenir financièrement des projets associatifs. Donc c'est ce qu'on fait évidemment euh, on soutient des projets dans trois domaines la solidarité avec les plus fragiles, la protection de l'environnement et la lutte contre l'exclusion numérique et l'illettrisme. Donc trois domaines avec majoritairement du, des actions sociales et des actions environnementales également. En termes de fonctionnement, on a des différents types de partenaires, donc des partenaires de long terme associatifs qu'on va soutenir vraiment sur la durée, on en a cinq. Et puis en parallèle, on soutient des projets associatifs tous les ans. Grâce à des appels à projets, soit des salariés de l'entreprise qui sont engagés dans des associations et qui vont présenter un projet à la fondation, qui pourra être soutenu, s'il si correspond à nos thèmes, ou également des clients Book Telecom, donc des personnes qui ont des, des forfaits, des box Book Telecom, qui peuvent aussi euh, présenter le projet de leur association euh, à la fondation lors d'appels à projets. Donc voilà ce qu'on soutient en termes de financement euh, pur, mais ça, c'est qu'une seule partie de notre activité. Euh, la fondation, elle a vraiment ce rôle aussi euh, d'engagement des collaborateurs. Alors c'est pas écrit dans notre mission, euh, peut-être que ça changera, euh, mais en tout cas dans nos objectifs euh, opérationnels, on a vraiment le rôle de coordonner euh, l'engagement des collaborateurs dans l'entreprise. Ça c'est assez historique. Euh, avant la création de la fondation en 2006, il existait déjà une association de collaborateurs qui s'engageait, euh, qui faisait des petites actions plutôt bah, sur le temps bénévole. Euh, voilà, et l'entreprise leur avait mis à dispo euh, une salle, un téléphone, euh, donc c'était un peu euh, euh, voilà, c'était fait euh, comme ça. Et puis euh, quand la fondation a été créée, l'objectif, c'était vraiment de structurer ces actions d'engagement-là. Euh, et pour ça, une vraie politique a été créée. Donc aujourd'hui, on a, euh, et depuis le début, euh, quatre demi-journées sur le temps de travail par collaborateur qui, qui peuvent être utilisées euh, pour réaliser des actions générales avec la fondation. Donc ça fait deux jours par an à peu près. On peut les scinder, on peut les prendre tout d'un coup, ce qui est plus rare quand même. Euh, et ça, c'est sans contrepartie, donc euh, c'est vraiment du temps de travail. On ne demande pas de poser un jour de congé. Euh, euh, voilà, c'est un temps qui est offert par l'entreprise, et on peut considérer que c'est euh, une manière de compléter aussi le don financier. Euh, bien sûr, que l'argent, c'est crucial pour les associations, et c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, mais l'engagement de l'entreprise, il peut aussi être complété par du don de temps euh, des collaborateurs. Et donc concrètement, qu'est-ce que peuvent faire les collaborateurs Ils peuvent faire plein de choses différentes. On fait du, du pro bono, donc vous devez sans doute connaître le mécénat de compétences. Euh, mais on fait aussi des actions plus de terrain, euh, parce qu'on se rend compte que les associations qu'on soutient, elles ont aussi besoin parfois d'un coup de main pour euh, organiser un événement, pour déménager, enfin pour des tâches un peu bêtes et méchantes, mais pour lesquelles les bénévoles ne sont pas toujours disponibles. Donc nous, on peut mettre à disposition aussi des, des collaborateurs. Donc voilà en quelques mots la, la mission de la Fondation. Est-ce que tu as peut-être quelques chiffres pour euh, situer un petit peu l'ampleur dans laquelle vous, vous faites ouais. tout ça, en termes de, 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 de jours donné ou de collaborateurs engagés ou autre Aujourd'hui, on a 1200 volontaires euh, sur un, un effectif d'entreprise qui est de 5000 collaborateurs. Si on enlève les personnes qui sont en boutique et qui sont encore très peu engagées euh, sur notre... Euh, les personnes qu'on peut atteindre entre guillemets euh, donc voilà on a 1200 sur 5000 donc à peu près 20% euh, ça c'est un chiffre qui a forcément qui a augmenté au fur et à mesure des années comme ça fait 15 ans qu'on le fait euh, on n'a pas commencé avec euh, ce taux d'engagement là euh, et on a vu qu'il y a eu des vraies gaps quand on a commencé à organiser des grosses journées nationales de mobilisation des collaborateurs où il y avait 600 euh, 800 personnes qui se mobilisaient euh, la même journée là bien sûr euh, ça permet de, de, de se faire connaître euh, d'autant plus euh, et puis, peut-être pour ajouter un chiffre, il y a eu 13 000 heures de volontariat qui ont été données depuis la création de la fondation euh, en 2006. Du, du coup, j'en je, 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 profite pour poser une question. Euh, Qu'est-ce qui les motive, ces collaborateurs, pour faire euh, cet engagement journalier ou cette euh, démarche enfin, Qu'est-ce qu'il en ressort finalement pour eux oui, alors ça, c'est des KPI qu'on étudie aussi. On, on se demande bien qu'est-ce qui les pousse à, à faire ça. Euh, on a des collaborateurs qui sont, bien sûr, comme dans toutes les communautés de bénévoles, des gens qui sont déjà engagés euh, à titre personnel à l'extérieur de l'entreprise, mais qui prennent l'opportunité de faire quelque chose euh, sur leur temps de travail. Donc ça, on a une partie des personnes. Et puis, euh, l'autre partie des, du spectre, ça va être des personnes qui ne connaissent pas du tout le monde associatif, qui... Voilà, qui ne savent pas comment ça fonctionne, qui aimeraient bien donner un peu un coup de main, mais qui ne savent pas où aller. Et là, on trouve que c'est d'autant plus intéressant que l'entreprise puisse avoir ce rôle de dire, euh, voilà, nous, on connaît les associations parce qu'on en soutient, euh, elle, elle, ce, ce genre d'association travaille bien, ça, on, va faire, on va organiser des missions qui vont être vraiment utiles. Euh, et donc là, on peut mobiliser aussi ce, ce type de personnes. Et donc dans les motivations, il y a toujours bah, se rendre utile, c'est vraiment la, la plus grosse motivation, euh, découvrir une cause aussi. Euh, voilà, parfois partager ses compétences quand sur ces émissions purement compétences on voit aussi qu'il y a pareil la partition entre des gens qui veulent donner un coup de main mais rien à voir avec mon boulot et puis euh, des gens qui veulent vraiment euh, mobiliser leurs compétences purement métier euh, et puis un peu à la marge parce qu'on se demandait est-ce que c'est des personnes qui veulent juste passer euh, un temps sympa mais hors de la boîte parce que ça pourrait être aussi une motivation hein, bien sûr euh, mais c'est plus à la marge donc les gens qui nous disent moi je participe parce que c'est sympa d'être avec mes collègues et d'être euh, dans une asso plutôt que d'être au boulot euh, c'est quand même un peu plus marginal Yep. On, voit, on voit dans ta réponse que du coup, euh, vous, vous avez plutôt fait le, le choix d'un domaine d'action assez large, assez ouvert de la fondation pour favoriser l'engagement des collaborateurs. Qu'est-ce que ça change de faire ce choix dans le fonctionnement de la, de la, de la fondation au quotidien, c'est-à-dire dans, même dans l'équipe de, de la fondation euh, les, les, Vos fiches de poste, est-ce que c'est les mêmes que dans des fondations qui sont euh, au contraire très, très axées sur un sujet euh, Est-ce que notamment les collaborateurs prennent plus de place peut-être dans dans la vie de la, de la fondation Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça Oui, c'est sûr que ça change par rapport à une fondation qui ne s'occupe pas du volontariat, de l'engagement des collaborateurs. Nous, on considère qu'on passe la moitié de notre temps... Euh, à ça. Donc on est une toute petite équipe, on est deux, mais ma collègue elle s'occupe quasiment exclusivement du volontariat avec les collaborateurs, avec euh, des objectifs associés. Donc on se dit que tous les semestres on organise deux à trois euh, opérations un peu d'envergure, euh, et vraiment une très très grosse, donc une nationale euh, tous les deux ans. Donc c'est sûr qu'on a des, des objectifs et des moyens qui sont alloués, et même un budget, euh, c'est nécessaire, parce que parfois on pense que... On va aider les associations, donc du coup, ça coûte rien puisqu'on donne déjà du temps. Euh, en réalité, non, on a besoin. Enfin, euh, ça coûte de l'argent rien que pour communiquer en interne et mobiliser. Euh, pour, parfois, pour défrayer les associations quand elles ont besoin de faire des choses où il y a du matériel. Donc, on, on veut. C'est un peu cliché, mais on veut repeindre un local. Euh, bah, c'est mieux si l'entreprise peut payer la peinture. Donc, bien sûr, il faut euh, un petit budget aussi alloué. Euh, donc, c'est sûr qu'en termes de, de répartition du temps, on est plus à 50-50 sur. Euh, engagement des collaborateurs et financement de projets. Euh, et ce que ça signifie pour nous en tant que fondation, c'est qu'on va passer aussi moins de temps euh, sur la sélection des projets. Donc très concrètement, on a des périodes d'appel à projets qui sont courtes, qui sont euh, fixes dans l'année et on ne va pas recevoir des dossiers au fil de l'eau, on ne va pas euh, organiser des jurys qui prennent des semaines. Euh, voilà, c'est un, un choix dans le mode d'organisation. Et à quel moment est-ce que les collaborateurs sont juste sollicités euh, au moment de s'engager, au moment d'aider de, de, les associations, ou est-ce qu'en amont dans les processus de sélection, ils sont aussi partie prenante ils sont partie prenante dans les deux. Euh, on constate qu'il y a des collaborateurs qui ont envie de donner du temps à l'intérêt général, donc vraiment à des projets associatifs hors de l'entreprise et, et quitter leur quotidien. Et il y a des collaborateurs qui ont envie de donner du temps à la fondation, donc ça pourrait être aussi à la RSE ou au programme d'engagement, hein, selon les entreprises. Euh, et nous, on aime bien les mobiliser comme ça parce qu'on trouve que ça a du sens euh, de se dire que bah, voilà, les collaborateurs peuvent agir à tous les niveaux. Ils peuvent présenter des projets associatifs pour être soutenus, mais ils peuvent aussi sélectionner ces projets associatifs. Donc typiquement, on les fait participer au jury euh, de sélection des projets de la fondation. Aujourd'hui, ils sont cinq collaborateurs, il y a l'équipe fondation et puis euh, un ou deux experts. Euh, donc, ils ont une place qui est quand même importante. Euh, on les sélectionne, ils ont un mandat euh, de deux ans, euh, ils sont formés et puis on prend en compte aussi leur retour, même sur le processus de sélection de nos projets. Donc, on a vraiment à cœur de les faire participer un peu euh, sur tous les aspects euh, possibles, même un aspect crucial comme le financement des projets. Et puis, un peu plus ponctuellement, mais je trouve que ça a du sens aussi, on les fait participer à la stratégie de la fondation. Donc, une fondation, ça fonctionne sur des mandats de 3 à 5 ans, on se renouvelle à ce moment-là. Et lors de ces renouvellements, on va interroger les collaborateurs pour savoir s'ils sont toujours en phase avec les axes qu'on s'est choisis. Euh, avec les modalités d'action qu'on leur propose, euh, voilà. Donc, ça peut être soit des enquêtes euh, auprès de tous les collaborateurs, soit des focus group. Euh, mais pour nous, c'est important de vérifier que ce qu'on fait, c'est toujours en accord avec eux. Sinon, ça a plus trop de sens, euh, je pense. Et, et c'est en accord. C'est qu'est-ce qu qui <laughs> ressort de ça Est-ce qu'ils sont euh, euh, critiques euh, ou est-ce que globalement, non, ça, ça, ça leur convient, ça continue de leur convenir Est-ce qu'ils vous ont amené à, à changer des choses euh peut-être dans, dans, dans l'histoire de la Fondation, euh, au travers de ces, ces sondages-là Ils ont plutôt conforté des, des choix. Donc typiquement, il y a quelques années, on se posait la question de, euh, des, vraiment des domaines d'action qu'on soutenait. Euh, Est-ce que ça avait toujours du sens de soutenir un, un domaine comme l'environnement bon, ça, ça paraît vraiment bizarre comme question, mais à l'époque, on, euh, on, on avait des interrogations. On, on, se, on se demandait si on devait être vraiment très corporate et donc avec des actions très sociales, parce qu'en tant que Bouygues Télécom, on est plus... Euh, euh, notre objet il est plus sur les relations humaines, euh, voilà, et donc euh, l'environnement pouvait paraître un peu à côté. Euh, et donc on les a interrogés là-dessus et eux nous ont dit non, vraiment il faut deux, enfin euh, les, les deux causes, euh, le social et l'environnement étaient au même niveau d'intérêt pour eux. Et c'est pour ça qu'on a choisi de garder euh, ce, ce domaine-là. Est-ce que les choix que vous avez faits, ils, euh, ils impactent la place que la fondation prend dans la vie de l'entreprise je pense que derrière toutes les politiques d'engagement, on a quelques bénéfices qui viennent naturellement sur peut-être l'image de marque, peut-être la fierté d'appartenance des collaborateurs, la marque employeur, etc. Est-ce que, est que les choix que vous avez faits, ça impacte ça il y, en a, il, y a, il y a des bénéfices qui sont plus ou moins euh, avérés en fonction de, des choix alors le, le bénéfice avéré, c'est que évidemment, plus on est large, donc plus on a une mission qui est diffuse, plus on peut euh, absorber entre guillemets ou en tout cas intégrer des collaborateurs dans nos, dans nos actions, c'est plus simple. Tout simplement parce qu'on a plus de causes et que je pense que les gens ont une diversité de causes qui les touchent. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y a des gens qui vont être extrêmement touchés par la cause des enfants malades et d'autres qui sont moins touchés par le social et qui vont être euh, plutôt touchés par euh, euh, l'environnement. Donc, nous, en tout cas, on, on peut répondre à un peu toutes les sensibilités grâce à ces différentes causes. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt facile. Euh, après, c'est sûr que forcément, quand on a une mission qui est aussi large que créer du lien, améliorer le quotidien, extrêmement dur de communiquer sur nos actions euh, et on on, voilà, on a un peu... Enfin, euh, euh, c'est difficile pour toutes les fondations, pour tous les services RSE de se faire connaître, mais je pense particulièrement quand on n'a pas choisi une mission euh, qu'on veut adresser. Euh, là, les services de communication s'arrachent un peu les cheveux en nous disant on ne sait pas vraiment par quel bout vous, vous prendre, c'est super ce que vous faites, mais en fait, euh, voilà, c'est, il y a trop de choses. Euh, donc, voilà, c'est peut-être le, le, le minus un peu, c'est ce côté très diffus et foisonnant de, de nos actions qui peut empêcher une certaine lisibilité externe et même aussi interne parfois. On dit bah la fondation elle fait plein de choses bien mais je sais pas exactement ce qu'elle fait. Donc ça complique la com. Ouais. En revanche, probablement <laughs> que pour les RH, c'est un petit peu plus simple de valoriser les acquis parce que les collaborateurs sont véritablement partie prenante. Pour les RH, c'est beaucoup plus simple. Et on le voit, ça commence à être. Enfin, les RH ont été les premiers à communiquer en externe sur, sur les actions, dans les forums euh, pour recruter des étudiants, lors des, des, des journées d'intégration des collaborateurs. C'est vraiment ces moments-là qui sont des moments forts de, de communication, mais donc c'est toujours de la communication interne. Le vrai, euh, euh, le vrai intérêt euh, en termes d'image de la fondation, je trouve qu'elle est plutôt interne externe. Euh, on s'imagine souvent que les fondations servent à, à redorer l'image en externe. En réalité, ça marche assez peu. Euh, par contre, en interne, euh, pour le coup, les collaborateurs sont assez sensibles, et d'autant plus quand ils peuvent euh, y prendre part. Pe Peut-être oui, pour compléter ouais. en fait sur les, les, les sujets de changement de comportement, parce que du coup, c'est bien euh, comment embarquer, c'est bien changer ses habitudes. Euh, on voit bien qu'il y a des étapes. Alors, les docteurs en sociologie vont les décomposer en cinq. Je vais vous faire ça en trois pour simplifier, ouais. mais il y a la pré-contemplation, pré la contemplation euh, un peu plus... Euh, matérialisé puis après il y a la réalisation en fait ce que ça veut dire c'est que c'est important de donner le champ des possibles parce que c'est comme ça que notre cerveau s'éveille à finalement euh, ce qu'on pourrait faire après il y a la deuxième étape c'est à dire je peux le faire donc euh, je, 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 je me projette vraiment dans euh, l'opérationnel et puis après il y a je le fais mais ce que ça veut dire c'est que c'est le propre de l'homme que de pouvoir changer de son enfin de profil finalement dans le temps et ça, c'est important aussi de en tête, parce que souvent, quand on sort les chiffres et on sort ces démarches d'argumentaires de, de, pour expliquer pourquoi et comment faire, parce que c'est un peu l'idée, euh, on voit bien qu'on dit il bah, y a les collaborateurs qui veulent faire ci, il y a ceux-là ceux qui veulent faire ça, etc. C'est un instant donné. Donc, on voit bien aussi que ça, c'est important d'avoir en tête une vision moyen et long terme, euh, parce que du coup, il y a vraiment cette évolution des comportements. Entre il y a 10 ans, l'environnement et aujourd'hui, ce sont pas les mêmes euh, postulats et les, et les mêmes, donc coûts, souhaits, souhaits d'engagement. Donc, je pense que le gros avantage sur, sur ces démarches d'être large et, et diffus, c'est au moins de pouvoir embarquer un certain nombre de collaborateurs de manière assez, euh, euh, on va dire, euh, ambitieuse pour les faire monter d'un cran. Et après, bah, la, la question que j'ai, <laughs> c'est, euh, non mais que, quelles sont euh, du coup pour, pour toi les, les opportunités donc associées euh, à cette large, j'ai un peu balayée mais les contraintes aussi associées. Est-ce que vous voyez des limites à avoir euh, finalement un champ euh, très large euh, et peut-être euh, pour certains un peu décorrélé du, du, du business, on va dire, en tant que tel? Euh, et de l'activité première. Est-ce que c'est est quelque chose qui remonte et, et si oui, comment vous le traitez quoi Je pense que la principale limite, c'est celle que j'évoquais, c'est qu'on ne comprend pas forcément toujours ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un problème de, de lisibilité. Euh, et pour certains, de rattachement à l'entreprise, on se dit euh, Ok, certes, là, on est en train de soutenir une formation pour les parents d'enfants handicapés. Euh, ok, quel est le rapport avec Book Telecom Et des personnes qui sont extrêmement critiques ou peu sensibles à ces sujets peuvent se dire. Euh, il n'y en a pas, donc c'est juste pas intéressant. Donc pour moi, c'est le principal frein, et je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler euh, nous à l'avenir, de, de, de trouver un peu une ligne directrice pour rassembler euh, euh, un chapeau global pour l'ensemble de ces actions. Alors, pour, pour prolonger la discussion, comment, euh, quand tu as fait ce choix d'ouverture, comment tu évalues l'impact ou le, 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 les succès d'une telle fondation, euh, les, les fondations, on va dire conventionnelles ou même les associations de manière générale ont tendance à, à regarder euh, l'impact qu'elles ont sur leurs bénéficiaires, les bénéficiaires de leurs bénéficiaires, etc. Là, on pourrait imaginer que vous, vous regardiez évidemment ça, mais aussi euh, l'impact que vous avez sur, euh, sur les collaborateurs. Comment, quels sont les, les, les indicateurs que vous regardez euh, Comment vous mesurez ça on regarde surtout des impacts euh, internes, du coup, on s'est posé évidemment la question des impacts externes. Euh, comme toute fondation, on, on a cherché à se dire euh, on soutient des programmes, quels sont les résultats, quels sont les changements qu'on euh, qu permet de produire. Euh, en réalité, on l'a commencé, mais c'est pas si simple si on a euh, des programmes extrêmement différents, euh, donc des causes différentes. Mais également que nos soutiens sont pas financiers ne sont pas majoritaires chez les associations, c'est assez difficile de dire la fondation Bouygues Télécom fait telle différence euh, chez l'association Petit Prince qu'on soutient depuis 12 ans. On soutient 40 rêves par an. Euh, L'association, la, elle, en réalise plus de 400. Euh, voilà. Est-ce que ça a vraiment du sens pour nous de dénier un budget pour regarder quel est l'impact euh, voilà, tout petit de, de nos actions Je ne sais pas si c'est la meilleure allocation de nos ressources. Euh, en l'occurrence, euh, par contre, ce qu'on peut mesurer plus facilement et qui nous semble beaucoup plus direct pour nous en termes d'impact en tant que fondation, c'est ce fameux impact sur les collaborateurs. Euh, Qu'est-ce que ça génère chez eux, le fait de pouvoir s'engager avec leur entreprise euh, et est-ce que ça a un impact aussi bien sûr pour les associations donc ça c'est des choses euh, euh, qu'on va plutôt regarder euh, nous euh, qu'on a commencé à regarder il y a quelques années avec des premières enquêtes donc voilà, est-ce que ça leur donnait le sentiment enfin est-ce qu'ils se sentaient utiles, est-ce que l'action avait du sens pour eux mais aussi surtout qu'est-ce que ça déclenche derrière parce que nous notre objectif ultime c'est bien sûr de continuer à avoir des volontaires qui s'engagent mais ce qu'on souhaite vraiment c'est qu'ils s'engagent sur leur temps personnel que toutes ces personnes qui ne connaissaient pas forcément l'associatif avant y aillent après euh, à la manière qui leur convienne, sur la cause qui leur convient. Euh, mais c'est ça vraiment notre objectif ultime, on va dire. Et donc, c'est surtout un de ces KPI-là qu'on va chercher à, à mesurer. Et, et, et qu'est-ce que disent les indicateurs C'est <laughs> <c 'est> cool. <laughs> les résultats sont, sont au, au rendez-vous. Vous, vous, vous voyez des progressions. Ce que décrivait tout à l'heure peut-être aussi la manière de faire cheminer les collaborateurs sur ce chemin de l'engagement, de partir de quelqu'un qui peut-être juste découvre le sujet et puis progressivement. Prend, prend l'habitude de, de s'engager ou peut-être s'engage même au-delà de l'entreprise. Nous, des liens avec l'association, ça vous le, vous le voyez au quotidien Oui, alors on ne l'a pas étudié euh, au global sur toutes nos, nos actions. Donc on a, on, a, voilà, on a des enquêtes, on a quelques chiffres, mais on n'a pas vraiment une vraie euh, étude d'impact euh, global sur l'ensemble de nos actions. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui pour pouvoir te, mmh. te répondre. Ouais. On l'a étudié sur un sujet particulier qui est l'environnement. Euh, comme je vous disais, ça a été un, un sujet sur lequel on s'engage depuis longtemps et c'est un sujet aussi sur lequel on a beaucoup engagé les collaborateurs. Donc notre partenaire majeur dans ce domaine-là, c'est Surfrider, euh, Surfrider Foundation Europe, qui est une ONG. Et avec Surfrider, on a organisé pendant dix ans des ateliers de collecte de déchets avec les collaborateurs. Euh, donc tous les ans, il y en avait euh, sur tous les sites de l'entreprise, euh, tout le monde en a fait une, et c'est vraiment une des actions qui est très connue des collaborateurs. À l'issue de ces collectes de déchets-là, il y avait toujours une partie sensibilisation par l'association pour expliquer, bien sûr, pourquoi on retrouvait ces déchets et quel changement de comportement on pouvait euh, euh, avoir pour que la société vraiment change. Euh, et donc, on s'est dit, bon, bah, c'est super, on a fait ça pendant 10 ans, on a organisé 70 collectes, euh, il y a plus de 1000 personnes uniques qui ont participé à une collecte, mais est-ce que ça marche Est-ce qu'à force de répéter les mêmes messages, les gens vont vraiment changer leur comportement euh, Et donc, ça, on l'a mesuré avec euh, KIMSO, qui est un cabinet d'évaluation d'impact. Euh, et heureusement, <laughs> la réponse a été oui, euh, ça fonctionne. Euh, donc, à la fois en termes de sensibilisation, c'est-à-dire que 90% des participants euh, ont pris conscience euh, de l'impact de leur action individuelle sur l'environnement. Euh, et plus intéressant encore, 70% des participants ont vraiment changé de comportement suite à l'action qu'ils ont menée avec euh, Surfrider. Euh, changer de comportement, ça, ça peut vouloir dire différentes choses selon le degré d'engagement qu'on avait avant. Euh, donc, c'était justement ça qui était intéressant d'avoir une étude un peu plus euh, scientifique pour regarder voilà, quel, comment j'étais engagée avant et comment j'ai changé ensuite. Euh, mais en fait, on avait deux profils globalement de personnes des personnes qui n'étaient euh, euh, pas très engagées et qui ont découvert l'environnement et qui, qui ont vraiment mené des premières actions, euh, typiquement euh, être très strict sur le tri des déchets, euh, arrêter certains euh, euh, objets jetables en plastique, euh, créer un compost. Enfin, voilà, toutes ces petites actions qu'on connaît là, ils ont commencé. Euh, et pour une autre partie des personnes, c'était des gens qui étaient déjà engagés. Et qui ont décidé d'aller plus loin suite à leur, euh, leur action avec nous. Donc maintenant, on a des personnes qui signent des pétitions environnementales, qui font des dons à des associations environnementales. Et donc, en tout cas, pour la partie environnementale de nos actions, on voit que ça, ça a fonctionné. Génial. Pour, pour, ouais, pour faire écho à cette réflexion, euh, vous, vous l'avez peut-être vécu pour votre, dans votre vie perso, on va dire. Euh, ça me fait penser aux au bascules qu'on a pu avoir dans le monde du bio, par exemple, ou euh, d'ailleurs, la dernière histoire, euh, on va dire. Euh, qui fait écho à ces sujets, c'est la Convention citoyenne. Alors, c'est un peu décalé euh, comme, comme, comme remarque, mais en fait, c'est assez intéressant de comprendre à quel point les euh, 150 personnes de la Convention citoyenne, si on, on leur avait posé la question de savoir si dans 9 mois ils auraient préconisé les 150 actions qu'ils ont, qu ont proposées, une grande majorité euh, n'était en, enfin, dans la capacité d'ailleurs de répondre à cette question, mais était très très loin d'imaginer qu'ils étaient euh, capables d'aller aussi loin dans les préconisations. Et en fait, aujourd'hui, quand vous les questionnez, ils vous disent ⁇ J'ai proposé ça, sachant que ce n'est pas suffisant. Il faudrait aller beaucoup plus loin, parce que j'ai été quand même éduqué pendant neuf mois avec un certain nombre de scientifiques sur le sujet. Mais je propose cette, cette démarche parce que je, je pense qu'elle est nécessaire et que c'est un premier pas, justement, pour permettre d'être accepté par la majorité. Et donc, c'est intéressant, parce qu'on voit bien qu'effectivement, le fait de goûter à ces sujets et ou d'être éveillé à ces thématiques provoque le changement. Et on le voit aujourd'hui dans notre, dans notre quotidien, il y a un décalage et un clivage. Et je pense que c'est assez, assez flagrant aujourd'hui, ce clivage qu'on a aujourd'hui. Enfin, ça cristallise beaucoup de choses, hein, l'écologie et ces thématiques. Et on voit bien qu'il y a les pours et les contre de plus en plus, même si les pours sont plus nombreux que les contre il y a, il y a quelques années. On voit qu'il y, y a quand même cette nécessité d'embarquer. Et, et donc, du coup, la bascule n'est pas évidente. Mais donc, tout ça, la conclusion, c'est en tout cas sur ces sujets d'embarquement. C'est y euh, a euh, la nécessité de toucher finalement chacun euh, dans son quotidien euh, pour pouvoir justement avoir une pratique, plus, une pratique durable et une pratique, on va dire, suffisamment, euh, non pas symbolique, mais voilà, engageante. Quoi. Merci pour cette conclusion. <laughs> Alors, c'est pas une. <laughs> pas une non, mais ça, ça tombe bien parce qu'il nous reste une dizaine de minutes, si je me, ne me trompe pas, et on avait promis de prendre quelques questions, et il y en a. Euh, donc, je vais essayer de, de retranscrire celle que j'ai sous les yeux. Alors, il y en a une que je ne peux pas ne, ne pas te poser, Bérénice, euh, qui est euh, quel outil utilisez-vous pour le mécénat de compétences <laughs> et le don de temps auprès des associations Je crois que vous êtes super bien outillé. Euh, ouais chez... vraiment, c'est un outil génial euh, développé <laughs> par Microdon. Donc, euh, <laughs> pardon, je n'avais pas mentionné. Euh, on, utilise, on, a, on a utilisé différentes choses. On avait une, une plateforme maison avant. Euh, et puis, finalement, il y a, je ne sais plus, 3-4 ans, on est passé. Euh, sur la plateforme de l'engagement microdon euh, parce qu'on trouvait ça intéressant de mutualiser la solution avec d'autres entreprises donc euh, voilà d'avoir euh, nous en tant que clients de pouvoir remonter des problématiques et d'avoir le même un peu fonctionnement et d'avoir euh, une entreprise à l'écoute derrière et puis là ce qui est encore plus intéressant on, on le, on le on ne l'utilise pas encore, mais l'objectif demain, c'est de pouvoir euh, que les associations puissent proposer tout au même endroit des missions euh, et que les entreprises qui veulent y répondre puissent y, y répondre. Mais c'est-à-dire que les associations, quand elles ont 10 partenaires entreprises, euh, n'aient pas à remonter euh, 10 fois les besoins, à réexpliquer sur 10 fiches missions différentes. Voilà, c'est de mutualiser un peu euh, euh, nos actions en tant qu'entreprise pour faciliter la vie des associations. Je pense que ça a quand même euh, du sens. Je précise que c'est une vraie question. Je remercie Célia <laughs> de l'avoir posée. Il euh, y, y a une question qui est venue plusieurs fois euh, sur les, je pense le l'objectivation, je sais pas si on dit ça comme ça. Bref, la définition d'objectifs RSE pour les collaborateurs. Il y a plusieurs questions sur quels sont les exemples d'objectifs qu'on peut donner à des collaborateurs en matière de RSE. Alors, je sais pas si lequel de, de vous. Bon, Il y, 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 y en a plein en fait des indicateurs. <laughs> Après, ça peut aller des indicateurs très simples qui sont des heures de formation, du temps passé. Euh, de mm -hmm. la... On va dire démarche très opérationnelle. J'ai été à tel endroit, une conférence, un séminaire. Je me suis, on va dire, impliqué lors de la journée X ou Y de l'employeur. Puis après, il y en a d'autres qui sont euh, des indicateurs un peu plus poussés, qui sont difficilement aujourd'hui déployés, mais qui pourraient être des indicateurs environnementaux, carbone lié à mon activité, lié à mes trajets liés donc professionnels par exemple ou, ou, ou autres. Outre euh, au, au quotidien, il pourrait avoir aussi des indicateurs, euh, on va dire, plus sociaux qui sont sur un management d'équipe, une égalité homme-femme. Enfin, on redescend en fait les indicateurs ISO 26000 quelque part, on pourrait les redescendre au niveau opérationnel. Ce qui est intéressant parce que ça permet effectivement peut-être de, de comparer après service par service, entité par entité ou personne. Bon, même s'il faut faire attention à la comparaison par personne, parce que les périmètres ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, on pourrait en citer plein, hein. mais mmh. si vous prenez les 42 mmh. grands indicateurs... RSE de manière générale, vous pouvez les redescendre auprès des collaborateurs, quasiment tous, à part euh, peut-être ceux liés à la gouvernance ou, ou aux filières, quoi que. Alors, puisque tu as le micro, ne le lâche pas, on nous demande aussi quel type de formation RSE existe et peuvent être proposées aux collaborateurs. Ouais, il, y en a, il y en a aussi, alors là... Euh, tu as en... raison sans doute avec <laughs> je... les... ouais, ce non, que tu viens de lister. Si vous voulez, je vous enverrai le catalogue formation EcoDev. <laughs> euh, euh, non, mais blague à part, il y, en a, il y en a plein. Il y a des démarches qui sont très généralistes. Et qu'est-ce que la démarche RSE enfin, Quels sont nos enjeux climat Quels sont nos enjeux euh, de manière générale pour comprendre du coup de manière très macro euh, ces, ces thématiques À comment je vais, dans mon métier du marketing, dans mon métier euh, de la technique, déployer ces concepts Et donc, euh, du coup, après, ça va être des formations plus techniques, type ACV, type éco-conception, euh, type économie circulaire. Enfin, je vous passe la liste, mais, mais après, il y a des décalages, on va dire, ou enfin, en tout cas du. Des choses beaucoup plus pointues. Euh, mais je pense que la base, c'est déjà euh, de faire de la sensibilisation de la formation très macro pour être d'accord mmh. sur l'état des lieux. Euh, parce qu'en fait, beaucoup. Euh, enfin, vous avez, vous avez peut-être entendu parler, il y a la fraise du climat ou pas mal de démarches là, qui ont explosé ces derniers temps pour éveiller. Et on voit bien qu'au au départ de ces formations, pour en faire un certain nombre, on est tous d'accord, on veut changer. Et puis après, quand on regarde le constat et ce qu'il faut faire pour changer, là, il y a un vrai décalage. Parce que. Euh, euh, si, vous, si vous prenez les objectifs de la COP21 euh, COP et que vous vous dites à chacun de perso qu'est-ce qu'il faut faire, il faut diviser par 4, 5, 6, son empreinte environnementale. Donc euh, si on se dit que l'empreinte environnementale, c'est quelque part son quotidien de déplacement, de nourriture, d'activité, euh, loisirs ou extra, euh, on va dire, euh, professionnels, euh, bah, diviser par 6, euh, pour la plupart, ça, ça peut être considéré comme extrêmement violent. Donc il y a aussi voilà, euh, il y a ces deux niveaux. Mais là-dessus, je... le catalogue est extrêmement large maintenant. Euh, voilà. Okay. Allez voir Timothée à la fin de la, de la conférence pour en avoir. Euh, euh, Bérénice, question à mon avis qui te concerne plus toi et qui je trouve intéressante, qui résonne évidemment avec ce qu'on s'est dit est-ce que, est que tu penses que l'engagement des collaborateurs doit être attaché au RH étant donné euh, les impacts positifs qui sont liés au RH Ou est-ce que c'est plus quelque chose qui doit être attaché à la RSE, la, euh, tourner peut-être plus vers les parties prenantes associatives alors, ça peut. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font. Après, pour moi, ce n'est pas une obligation. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut travailler avec les RH, <laughs> sinon ça ne marche pas. C'est-à-dire que, évidemment, quand on mobilise des, des collaborateurs sur leur temps de travail, et à frères un, un nombre important de collaborateurs, on est obligé de travailler euh, euh, ensemble pour euh, que ça. Bah, euh, déstabilise pas trop l'entreprise euh, c'est le cas pour nous par exemple on a des populations de conseillers de clientèle donc des gens qui sont vraiment euh, postés avec des horaires euh, bien précis euh, et, et s'ils sont pas là, il bah, y a juste personne qui répond aux clients quand ils téléphonent au service client donc il faut quand même qu'on organise un, un minimum, donc ça c'est super important, après est-ce que c'est obligatoire d'être au service RH Je suis pas bien sûr euh, ou alors il faut que le service RH soit vraiment très euh, euh, sachant sur les sujets de, euh, derrière parce qu'on on engage les collaborateurs pour quelque Chose. Donc, euh, euh, pour moi, c'est quand même intéressant si c'est euh, une direction RSE ou fondation qui va connaître le fond des sujets et savoir sur quoi engager les, les collaborateurs. Je vais, je vais compléter parce que, du coup, c'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait cette utopie d'imaginer que le responsable RSE, euh, qui était le meilleur euh, du monde, disparaîtrait parce qu'il aurait suffisamment euh, dilué, euh, diffusé ses connaissances et son savoir dans les métiers qu'il n'avait plus d'intérêt d'exister. Ça, c'est un peu la philosophie. Euh. Moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est à un niveau où, effectivement, si on n'a pas une, euh, bah, tous les gens du COMEX en fait, embarqués extrêmement, euh, on va dire, éveillés et formés à ces sujets, on pourrait euh, le mettre à droite ou à gauche, mais ça aura ses limites. Alors, la partie RH, la bonne nouvelle est, est, et je pense que ce qui est important, c'est que les RH ont cette fibre sociale et cette fibre de fidéliser les collaborateurs qui fait qu'ils ont une vision moyen et long terme. Ce qui n'est pas le cas de certains métiers ou certains... Euh, ça a été beaucoup sous la COM, par exemple, aussi, euh, la RSE ou le développement durable, et on voit que la, la COM a une vision qui est très euh, et c'est normal visible et euh, ponctuel ou éphémère à des moments peut-être moins moins pérenne que la, le, la RH donc, euh, ou le RH donc du coup je, euh, effectivement le RH je pense que c'est un, bon, un bon angle si le RH est euh, suffisamment bien connecté et c'est le cas souvent et que et que à qu deux trois sponsors aussi au comec parce que sinon euh, voilà ça, ça ne suffira pas alors, je vais grouper deux questions pour toi, Bérénice. La première, qui est très euh, simple, c'est comment est financée la fondation et quel est son budget Et la seconde, euh, elle résonne évidemment avec ce qu'on vient de se dire c'est quelles sont les bonnes pratiques euh, au sein de l'entreprise pour embarquer tout le monde, pour s'assurer que tout, en majuscule, les collaborateurs soient engagés <laughs> Ok, euh, alors le budget de la fondation Bouygues Télécom, il vient que de Bouygues Télécom. Comme toutes les entreprises, les fondations d'entreprise, elles sont financées que par euh, leurs fondateurs. donc l'entreprise fondatrice. Il y a aussi un financement qui est possible des salariés. Nous, ça n'a pas été notre choix, mais il y a des entreprises qui, qui le font. Et en termes de budget, on est à 700 000 euros par an. Donc voilà, on est une moyenne fondation, c'est comme ça que je, je nous définis. Euh, et après sur l'engagement des, des collaborateurs et comment engager de tout le tous monde. Les tous les collaborateurs. <laughs> à dire comment tu vas aller chercher ceux qui sont peut-être aussi les moins familiers avec l'engagement Comment mmh. tu arrives à les éveiller, à leur donner envie de bouger J'aimerais bien avoir la réponse. <rire> <rire> euh, nous, on n'y arrive pas encore. Euh, et je ne suis pas sûre que ce soit l'objectif final. Enfin, bien sûr, on a envie de... Nous, on a 20% d'engagement. On aimerait bien aller doubler. On aimerait bien aller plus loin, forcément. Euh, après, je pense qu'il y aura quand même toujours mmh. des personnes qui considèrent euh, euh, que c'est pas leur truc. Euh, que l'engagement associatif euh, ou pour l'intérêt général, ça leur parle pas. Et je ne suis pas sûre qu'il faille euh, euh, se donner comme mission d'aller les chercher. Et on a aussi le, le droit de respecter leur liberté de ne pas être intéressé. Euh, et il y a des personnes aussi qui euh, sont engagées elles-mêmes dans leur euh, vie personnelle, mais ne veulent pas le faire au travail. Ils considèrent qu'on doit bien séparer les sujets. Et quand je suis au boulot, bah, je, je fais mon boulot et c'est tout. Euh, donc voilà, je n'ai pas la réponse sur la manière d'engager euh, euh, tous les collaborateurs. Et je suis pas sûre qu'il faille le faire non plus. Enfin, moi je suis même assez convaincu que c'est pas sain euh, de se dire que tout le monde est embarqué dans une démarche euh, et qu'on soit tous euh, au diapason sur ces sur ces thématiques euh, parce que de tout manière effectivement il y a toujours cet esprit de certains d'être en contradiction et, et ou de cloisonner euh, vie perso vie pro et puis il y, a, il y a une théorie qui est la théorie de la bascule avec les 10 de, de comportements singuliers qui embarquent finalement euh, la majorité puisque du coup euh, ces comportements singuliers font euh, une visibilité euh, importante qui, du coup, euh, permettrait, euh, je dis bien permettrait parce que c'est une théorie, mais, mais d'embarquer finalement une grande partie des, des salariés ou, ou des citoyens, parce qu'il y a aussi une grande majorité des citoyens et des salariés qui ne souhaitent pas être moteurs, pionniers, et qui ont envie de se laisser tout simplement porter par leur quotidien. Euh, et, et quelque part euh, driver ou guider, et puis euh, ça leur va aussi bien. Donc il ne faut, euh, voilà, il faut, il faut pas se voiler la face. Beaucoup d'entre nous n'ont pas envie de s'engager de manière active sur un certain nombre de sujets. Euh, voilà, donc, pour compléter. On en, on en revient un petit peu à, à l'introduction et respecter la sensibilité de chacun et sa maturité sur ces sujets-là. Mmh. Les applaudissements ont résonné dans la, dans la salle d'à côté. Ça va être le signe que le, le temps qui nous était alloué est terminé. Il reste... Quelques questions qui étaient un petit peu liées à celles qu'on a posées. J'espère que j'ai frustré personne en ne les posant pas. Euh, et sinon, euh, je vous invite à venir nous voir pour continuer la discussion. Merci à tous. Merci.